C'est quoi cet écran noir? Je suis devenu aveugle. Bruno! Tu n'es pas aveugle, Artyom, on a juste... Ah! On est en prison, Artyom, nous sommes dans une prison de l'ego. Je vois quand même mal. Où sont mes lunettes? Les lunettes sont probablement dans ton casier. Allez, tiens. Oh, je vois. Mais pourquoi nous sommes en prison de l'ego? Et pourquoi je suis menotté? Qu'est-ce qu'on fait ici, Bruno? Artyom, je me suis réveillé il y a une minute, tout comme toi. Comment pourrais-je savoir ce qu'on fait ici? Et il y a ces choses sur nous. Nous devons nous débarrasser de ces choses, hein. Oh, Bruno, j'ai réussi. J'ai pu l'enlever. Oh, j'ai cassé la chaîne. Les gars, c'est parce que je mange beaucoup. Eh, mec, tes chaînes se sont enlevées. Mince, ici, laisse-moi essayer. Ça ne marche pas. Les gars, il y a un code de sécurité ici. Nous avons juste besoin de comprendre le code. Ok, 1, 2, 3. Oh la vache. Bruno, j'ai une idée. Je vais essayer de le casser. Allez. Encore. Oh la vache. Regarde, ça casse. Allez, allez. Oh, c'est presque. Mais je suis fatigué, les gars, j'arrive pas. Mec, je dois avoir une chaîne beaucoup plus solide. Donc je dois absolument trouver ce code exact. S'il y a quelqu'un qui me regarde en ce moment, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne pour que je puisse me libérer de cette prison de l'ego. Car d'après ce que j'ai compris, cette prison l'ego est très grande, avec beaucoup de casse-têtes, et nous allons les résoudre avec vous toute la journée d'aujourd'hui. Alors rejoignez notre équipe et cliquez sur le bouton rouge d'abonnement. Merci. Maintenant, nous devons résoudre cette énigme ici. Ah mince, Artyom, j'ai besoin de la clé de cette serrure. Regarde sous ton oreiller, il y a peut-être une. Ouais, Bruno, je vais voir. Alors... Il n'y a rien sous le coussin, les gars, j'ai tout défait. Eh bien, bon sang, il doit y avoir un moyen de sortir d'ici. Sauf que les manilles sont lourdes. Je ne peux pas bouger avec eux. Les gars, regardez, il y a une porte. C'est la sortie de notre cellule. Mais il y a un verrou ici aussi. Mec, j'ai deux serrures à ouvrir maintenant. L'un est le verrou pour ces manilles, et le second est la serrure de la porte qui permet de sortir enfin de cette prison. Ok. Artyom, il y a une étagère ici. Ouais, Bruno, jette un coup d'œil. Peut-être qu'il y a un message ou une énigme qui pourra enfin nous aider de sortir. Ouais, on voit. Artyom, c'est vide. Il n'y a rien. C'est sûr qu'il doit avoir quelque chose qui pourra nous aider de sortir. Cherche mieux. Mince, on doit vérifier les murs. Bon sang, Artyom, il y a une cachette. Mais c'est pas vrai, et qu'est-ce qu'il y a dedans? Peut-être c'est une sortie. Artyom, il y a seulement un livre sur la littérature russe. Et en plus, il est pour la sixième année. Et moi, j'en ai que cinq. J'ai aucune chance de résoudre cette énigme. Artyom, on n'a rien à faire de toute façon. Dis-moi moi un livre. Oh, regarde, Artyom, il y a une cachette. C'est un ballon. Ah, comment un ballon peut nous aider? Regarde. Oh, regarde comme je l'ai gonflé. Oh là là, Artyom, il y a des chiffres ici. Mais c'est juste des chiffres. Ma prof aussi, elle disait que les chiffres, ce n'est pas que des chiffres. C'est juste 1, 5 et 3. Néanmoins, Artyom, regarde, nous avons un code de verrouillage sur nos chaînes qui ne nécessite que 3 chiffres. Et il y a 3 chiffres ici. Ok. 1, 5... Oh la vache! Qu'est-ce qu'il y avait? C'était quoi ce chiffre, Bruno? Oh mec, c'est quoi le dernier numéro? Mais comment nous allons savoir ces chiffres? Je l'ai explosé, j'ai encore tout gâché. Mince, tu ne te souviens pas du numéro? S'il te plaît, écris dans les commentaires maintenant quel était le dernier chiffre pour que je puisse sortir. Et Artyom aussi. Regarde, il a écrit 3 dans les commentaires. C'est le numéro 3. Je fais confiance à mes abonnés, donc 3. Ah, Artyom, regarde! La serrure est ouverte! Mec, on va l'ouvrir pour toi aussi! Hé, hey, Bruno, c'est à toi de le faire parce que moi j'y comprends rien dans les chiffres. Oui? 1 Bruno, allez, dépêche-toi, hein. 5, 3, c'est tout. Ouah, Bruno, on a réussi. Les gars, nous sommes enfin libérés de ces chaînes ici. De ces jeunes ici. Et c'est grâce à toi. Mais nous devons encore ouvrir la porte principale. Celle-là.
juste ici. T'entends? Il y a quelqu'un qui frappe, il y a quelqu'un qui vient. Oh la vache, Artyom, le plafond s'écroule. Qu'est-ce qu'on fait, Bruno? Je pense que le plafond va tomber. Bruno, au cas où, je t'ai beaucoup aimé, tu étais un très bon ami. Dieu, Dima, qu'est-ce que tu fais ici? Ils m'ont mis en prison parce que j'ai trop peu d'abonnés sur ma chaîne. Non, parlons sérieusement, qu'est-ce que tu fais ici? Les gars, pour être honnête, je ne sais pas qu'est-ce que je fais ici, mais je me suis réveillé dans ma cellule et je creusais là-dessous avec la cuillère et il s'est trouvé qu'il y a une autre cellule sous la mienne et c'est ainsi que je suis tombé sur vous. Mince, les gars, on doit ouvrir cette serrure et sortir enfin de cette cellule parce que c'est irréel de s'asseoir ici, surtout à trois dans une si petite pièce. Avez-vous des idées? Les gars, je ne pense pas que nous avons vraiment le choix, nous devons continuer à creuser, on a une cuillère et tôt ou tard on va s'en sortir d'ici. Mais non, c'est n'importe quoi, on sait pas où c'est que tu vas creuser. Peut-être qu'il y a les gardes en dessous, on n'en sait rien. Du coup, c'est des bêtises. Oh, les gars, j'ai trouvé un chewing-gum. Oh, je peux en avoir un? Ouais, il y a aucun problème. Tiens, mon ref, prends-en une. Merci, Arthur. Tiens, Dima. Ouah, cool. Oh, c'est à la place du petit-déj, du coup. Elle est super bonne, et moi j'ai tant faim. On peut avaler le chewing-gum? Non, Artyom, n'avale jamais de chewing-gum. Et en fait, Artyom, donne-moi ça. Bon, il ne reste plus grand-chose, mais ça devrait suffire. Et pourquoi? À nous faire sortir de notre prison de Lego. Quel est le plan, Bruno? Dis-moi. On va mâcher tout ce chewing-gum, la mettre dans le trou de la serrure, le chewing-gum prendra la forme d'une clé, et alors on pourra ouvrir cette serrure et enfin sortir de cette prison. Ouais, c'est pas mal, mais qu'est-ce que je vais manger? Peut-être qu'on risque pas et on va juste laisser ce chewing-gum pour après. Non, Tom, quand on sortira de notre prison, tu mangeras ce genre de nourriture, mieux qu'un simple chewing-gum. Je vais le mâcher et voir si mon plan fonctionne. Je soutiens, Villiard, nous devons saisir notre chance, les gars. J'ai fini de mâcher mon chewing-gum. Maintenant, on va en faire une clé, les gars. Ok, mets-le dans le trou de la serrure. Fais un petit cercle ici pour que ça ait la forme d'une clé. Artyom, j'ai besoin de ton aide. Laquelle? La gomme est très molle maintenant et nous avons besoin qu'elle refroidisse. Ouf, faisons un essai, mec. La serrure est ouverte. Yeah! Ouah, c'est pas vrai, je savais même pas, je pouvais pas imaginer qu'on peut ouvrir les serrures comme ça. Nous sommes libres enfin, qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? C'est quoi la prochaine étape? Nous n'avons plus besoin de cette serrure. Ouvrons les portes. Wow, suivez-moi, il y a moyen de se sortir. Oh. Ah, le sol il est froid les gars, il est en fer comme en prison. Un genre de couloir, où est-ce que ça va? Où allons-nous ensuite? Ok les gars, une sorte de longue, longue et très étroit couloir. Baissons le ton pour que personne ne voit. Allez, allez les gars. Silence, silence, il y a une caméra ici. C'est sûr qu'on nous surveille à travers cette caméra. Allons la casser. Artyom, on peut pas la casser. Ça va être trop bruyant et ils vont nous trouver. Les gars, on va être opérés sur la caméra. Je pense qu'on ferait mieux de retourner dans la cellule, de s'enfermer à nouveau parce qu'ils vont nous faire purger plus de temps et qu'on va se faire avoir. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan. J'ai cette clé. Artyom, tu peux m'aider? Allez, Bruno, vas-y, monte. Je l'ai. Personne ne nous verra maintenant. Allez, on bouge. Donc, tranquillement. Les gars, on est dans une impasse. Et maintenant, on y retourne, dans la cellule de retour. Ce couloir ne peut pas être construit juste comme ça. C'est sûr qu'il doit avoir une sortie. Il faut la trouver. Peut-être qu'ils l'ont juste construit. Juste une porte et un couloir, c'est tout. Bien que les gars, il y a toujours un moyen de s'en sortir. Artyom a raison, j'ai vu ça dans les films. Quand les personnages se retrouvent dans une impasse, ils cherchent simplement un bouton qui ouvre une sortie ou une porte. Du coup, les gars, l'essentiel, c'est juste de chercher. Les gars, cherchez un bouton. Allez, chacun de ces blocs pourrait être un bouton. Peut-être qu'il y a quelque chose derrière la caméra, les gars. Elle doit pas être ici pour rien. C'est le seul objet de trop dans ce couloir. C'est sûr qu'il y a quelque chose. Il faut appuyer pour que ça marche. Il doit y avoir un bouton. Les gars, je crois que j'ai trouvé le bouton. Allez. Ouah! Le mur, il bouge. Les gars! Le mur bouge! Cherchez le bouton qui arrête ce mécanisme! On va se faire écraser! Regardez! Il y a un évent ici, les gars! Allez! En vitesse, les gars! Oui, Bruno, j'arrive! Attends, il y a juste Dima derrière! Allez, Dima! Ok. B. Les gars, venez! Mince, comment vont les gars? Oh mon dieu!
Oh, on a juste eu le temps. Oh la vache, on dirait que j'ai frappé les toilettes de quelqu'un. Les gars, allez, dépêchez-vous. Dima, allez, dépêche-toi. Allez, allez. J'ai à peine eu le temps, tout s'est glissé. Et Artyom? Qu'est-ce qui est arrivé à Artyom? Oh, je ne sais pas, il avait son pied sur le mur pour me sauver. Artyom, donne-moi ta main. Oh, les gars. Allez, tirez-vous, allez, tire. Les gars, je suis coincé, mes fesses ne passent pas, elles sont trop grosses. Je crois que je suis ici pour toujours. Aidez-moi de m'en sortir, s'il vous plaît. Appuyez maintenant le bouton s'abonner pour que mes fesses puissent passer. Allez, les gars, je vois qui est cet abonné. Oh, j'ai trouvé encore une caméra. C'est quoi? C'est une caméra de sécurité? Y'a quelqu'un qui nous observe? Oh la vache! Mets-la dans chiottes! Attends, non! Y'a des abonnés là-dedans, je crois. Tu les as mis dans les toilettes. Et si c'est le garde? On ne sait pas. Écrivez-nous, qui êtes-vous? Un garde ou un abonné? Nous sommes dans un chiotte! On dirait qu'on est dans la salle de bain du gardien. Pourquoi d'un garde? Eh bien, comme il y a des prisonniers et des gardes, je n'ai pas vu de toilettes dans ma cellule. Vous êtes des prisonniers? Donc tu es aussi prisonnier, toi? Je suis venu travailler comme garde. Je me suis juste couché sur le lit et c'est tout. Et j'ai mis juste le costume du prisonnier parce que j'avais froid. Voilà, je mets l'uniforme de garde. Non, Artyom. Tu portes un uniforme de prisonnier parce que tu es un criminel. Mais pourquoi? Parce que toi, Artyom, tu n'as pas dit à tes abonnés que tu les aimais. Excusez-moi, mes abonnés, je vous aime beaucoup. Et mes abonnés, et les abonnés de Bruno, et les abonnés de Justima, même s'ils sont très peu nombreux, mais ils peuvent être plus nombreux si vous souscrivez à Justima. Alors on va être libérés maintenant? Je m'en doute. On peut essayer de demander au gardien? Ils regardent ça par internet. Ils vont voir que après, quand nous serons déjà sortis, on va résoudre toutes les énigmes. Et donnons la clé USB à rédacteur de chair pour qu'il puisse la télécharger sur internet et montrer à quel point il est difficile de vivre dans cette prison. Ah, très bien, sortons d'ici. Chut. Allez les gars, sortons d'ici tranquillement. Et où en sommes-nous maintenant? Je crois que nous sommes arrivés dans la chambre du garde. Il y a des donuts délicieux, du coca et un ordi. Peut-être qu'on en mange un. S'il y en a un qui disparaît, personne va le voir. J'ai rien mangé toute la journée. Artyom, sortons d'abord et ensuite je t'invite à déjeuner, d'accord? Oui, tu promets chaque fois. Parce qu'on n'est pas encore sortis. Les gars, je pense que le garde arrive. Retournons-y. Vite, les gars, vite. Enfant mes beignets. Voyons une vidéo. Oh mon Bruno adoré. Allez, ah plus, allez, roule. Allez, sauve-le. Allez. Oh, bon garçon. Oh, bon garçon. Allez, saute. Allez, bon garçon. Allez, oh, quel Lego. Bruno, je crois que le garde est notre fan. On pourra se mettre d'accord avec. Faisons marcher. Allez, saute. Je vous ai finalement tous eu. Maintenant, vous allez filmer vos vidéos pour moi pour le reste de votre vie. Quel plaisir. Les gars, je ne pense pas qu'on puisse lui parler. Il nous a enfermés exprès. Nous devons retourner. Attends, regarde. Il y a ces cubes ici, on va se cacher dedans. Les gars, nous allons nous cacher dans les cubes et on va pouvoir sortir. Le garde va pas nous voir. Je ne peux pas le croire. Allez, saute. Tu pourras être sur le coin maintenant. Je les ai cherchés pendant tant d'années.
Maintenant, ils sont dans ma prison Lego. Ouf, on est sortis. Les gars, allez-y, on continue le chemin. Artyom, Artyom, sors. Mais je peux pas sortir. Je suis coincé. Viens, je peux pas sortir. Les gars, les gars. Ok, suis-nous, Artyom. Ouais, ok, mais vous êtes où? Allons-y, les gars, mais je suis... Il y a un autre couloir ici. L'essentiel est de ne pas abandonner. Les gars, c'est le moyen de sortir de la prison de l'ego. Oui. Ouais, on l'a fait. Hé, hey, les gars, vous êtes où? Je ne vois rien. C'est la sortie, oui? Oui, Artyom, il y a une sortie. Seulement, il y a quelques instructions. Attention. Et quelque chose en chinois. Ah, moi je connais le chinois. Attends, pousse-toi, je vais tout expliquer. Les gars, il y a écrit ici qu'il y a une triple protection. Nous avons besoin d'un fil vert. Mais c'est facile. Aussi ici, il y a écrit que nous avons besoin d'un chip Lego qu'on mettra ici. Et le dernier, c'est la main de garde. Vous la mettez ici et le mur s'ouvrira. Et ben allons-y. Je pense que c'est possible de tout avoir, mais séparons-nous pour trouver ce dont nous avons besoin pour sortir et nous échapper de la prison de Lego plus rapidement. Et où trouve-t-on la main du gardien? Je vais m'en occuper de ça. Artyom, tu ne veux pas trouver le fil vert? Ouais, sans problème. Toi, Dima, trouve le jeton de Lego. Ok, je vais le faire. Et moi, je vais prendre l'empreinte de la main du garde. Les gars, je vais chercher le fil vert, d'accord? Allez. Oh. Zut, Dima, il ne peut pas voir où il va. Oh mon dieu, il va casser le mur. Enfin, je suis sorti. Qu'est-ce que c'est, cette chambre? Oh là là, c'est là qu'Artyom a trouvé la pièce secrète. Les gars, écoutez, qu'est-ce que c'est? Ça s'ouvre. Oh la vache. C'est Chutra. Trappe. Oh là là. Oh, il y a tellement d'espace. Laissez-moi vérifier ce qui se passe, les gars. Vas-y, Dima. Dima, sors ce jeton de Lego pour nous, allez. Ok, je vais chercher. Très bien, Artyom, je vais chercher l'empreinte du gars. Viens. Alors, les gars, c'est un grand dépôt. Il faut tout regarder ce qu'il y a ici, parce que peut-être il y a ce qu'il me faut. Il y a beaucoup de Lego, parce que c'est une prison de Lego. Ici, on lève mon cube. Oh, les gars, regardez. Les gars, j'ai trouvé un fil. Il y a un marron, un bleu, un noir, et mais il n'y a pas de vert. Il faut trouver quelque chose en urgence. Mais ce tunnel... Quel sous-sol profond! C'est un long chemin vers là-bas! Comment je vais ressortir? Oh la vache! Je crois qu'il est mort! Regardez les gars! Une boîte entière avec de la peinture! Il faut trouver la peinture verte! Je pourrais peindre ce fil en vert et aider mes gars! Les gars, regardez! Ah non, c'est du bleu! La vache! Qu'est-ce que c'est? Oh! 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 On pourrait l'utiliser comme une arme. Oh. 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 Où suis-je? Une cave. Toutes les signes du zodiaque sont là. C'est peut-être une sorte d'énigme. Nous devons regarder autour de ce sous-sol, voir ce qu'il y a d'autre ici. Ah, c'est l'uniforme d'un ex-détenu. On pourrait jeter un coup d'œil, voir s'il y a quelque chose d'utile. Oh, une note. Il est dit ici que pour obtenir la clé, il faut appuyer sur le bouton du zodiaque. Je n'ai droit qu'à un seul essai, car si je ne fais pas correctement, l'alarme se déclenche. Oh mon dieu. J'en dois choisir un des 12. Ok, je dois chercher d'autres indices. Oh, téléphone. Voyons voir sur le téléphone. Bon, oh, des beignets. Oh, moi le ventre. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Viens de regarder ma vidéo, on joue au dernier pour dormir et il me reste des somnifères de cette vidéo. Alors on va mettre des somnifères ici, maintenant, encore plus. Oh, très bien, on y va, on y va. Oh, oh, ça fait du bien. Eh bien, continuons à regarder. Et maintenant, choisis le temps pour lequel ce marteau va être utilisé. Les gars, devinez ce que je viens de me rappeler. Si on mélange le jaune et le bleu, on aura du vert. Je pourrais peindre le fil et aider mes gars. Allons essayer. Regardez les gars, vous voyez le fil est noir. Ça c'est du jaune, vous voyez du jaune. Et ça c'est du bleu. Voilà, et regardez comment ça fait ensemble.
Regardez les gars, c'est un fil vert. Vous y croyez? Il faut vite aller voir les gars. Très bien, qu'est-ce qu'il y a de plus? C'est la liste des prisonniers qui se sont échappés. Grisha Mushroom, 2013. Anatoly Cloud, 2009. Tom Sophine, 2019. C'est peut-être un indice. Et si on les mettait dans l'ordre par année? Je vais essayer. Eh ben, on va voir. Alors, c'est qui le premier? 2009, n'est-ce pas? Puis 2013, 2015, 17, 19. Puis il y a 2011 qui va ici. Ok, voyons ce que nous avons. Bien, séquence des couleurs. Oh, non, regardez, si vous lisez les premières lettres du nom, nous avons le mois d'août. Mince, quel signe du zodiaque en août, mec? Ça pourrait être Vierge, Bélier, Gémeaux, Capricorne. Non, non, c'est pas du tout ça, il faut réfléchir. Les gars, j'ai récupéré le fil vert. Là. Ah, ça marche pas, les gars, il faut encore plus de pièces détachées. Quel ami a son anniversaire en août? Je me suis souvenu que c'est l'anniversaire de Savik 1, 2, 3, 4 en août et qu'il y a un lion. C'est vrai, c'est un lion. J'espère que si j'ai deviné, car si je touche le mauvais signe, l'alarme se déclenche et je suis fini et tout ça pour rien. Moment très nerveux. Oui, oui, je l'ai fait, c'est une puce Lego. C'est juste ce qu'il me fallait. Je vais aller rendre les gars heureux. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé. C'est cool, mais il nous manque encore ici l'empreinte de la main du garde. Ah, il est où, Willy Bruno? C'est William Bruno qui est allé chercher la main du garde. Je pense qu'il a dû être capturé. Oh, les gars, je suis déjà là. Oh, on y va. Les gars, dégagez le chemin. J'amène le garde. Les gars, ce canon, le bras du garde. Yeah, oui. Yeah. Hourra! Je pouvais pas m'imaginer qu'on va réussir. Est-ce qu'on va vraiment y arriver? Ok, allons-y, écartons le gars. Maintenant, le gardien ne va pas nous gêner. Dima, tu as reçu la puce? La voilà, Bruno, la voilà. Ok, c'est la dernière pièce. On a le fil vert, on a scanné la main du gars, et tout ce qui reste, c'est la puce de Lego. Tu crois que ça va s'ouvrir? Je sais pas, il faut qu'on essaye. Je pense que ça a marché. Alors... Yeah! Hourra, ça a marché! Les gars, allez! Oh la vache! Allez, allez! On ferme! C'est quoi cette chambre? Mais c'est la prison en carton de Vlad A4! Mais on est où? Alina! Les gars, bonjour à tous! Je ne sais pas ce qui se passe ici, je tiens une sorte de carte et je suis entouré de beaucoup de gens avec des costumes bizarres. On est comme dans une sorte de prison. C'est comme sur les manettes de jeux vidéo. Mais je suis où, moi? Mais c'est qui tous ces gens-là? Ah, les gars, j'ai trouvé d'autres cartes comme celle-ci un peu partout. Il y a des cercles et des triangles comme ça. J'étudie la géométrie depuis la sixième année, je sais plus moi. Je crois que j'ai déjà vu quelque chose comme ça. Je suis contente que nous soyons tous ensemble. C'est probablement parce qu'on a appelé ce numéro. Eh mec, on vous a aussi proposé de l'argent sale ici et maintenant? Oui, je pensais que c'était un spam, on voit ça tout le temps. Non mais tu vas encore t'endetter, hein? Non. Oh! Bonjour les amis. Hey! Mais qui c'est tous ces petits gars? Et félicitations les gars. Vous êtes les 15 chanceux à avoir participé au Squid Games. C'est quoi ce jeu de calamar? C'est super chelou comme nom ça. Je ne sais pas, je n'ai jamais joué à des Squid Games avant. Je ne sais pas, eh bien nous avons appelé le numéro, on nous a offert de l'argent. Cela pourrait-il avoir un rapport avec l'argent? C'est un jeu, j'aime les jeux, c'est pourquoi je vais jouer. Tu crois qu'on va jouer pour de l'argent? Je pense que oui. Eh bien c'est comme ça que les défis fonctionnent. Et si les autres ont déjà joué au jeu de calamar? Et nous? Nous n'avons jamais joué, nous allons perdre. Détendez-vous, nous allons traverser tellement de défis auparavant en tant que... Équipe. Bah ouais, on a déjà joué à jouer à ça. Les gars, c'est Squid Games. Le calmar est un poisson. Bah c'est probablement le backgammon. Je crois que ce sont deux expérimentations. Je crois qu'ils ont déjà commencé. Il y a un numéro ici. Tu l'as appelé ou quoi? Non, j'ai appelé un. Chacun de vous a ses cartes. Cela signifie que vous êtes devenu un participant à notre jeu.
vous serez en compétition pour une énorme somme d'argent. Vous pourrez gagner 1 million d'euros. De nombreux défis différents et intéressants vous attendent, mais celui qui y perd devra abandonner ou mourir. Allez, distribuez. Un petit goûter avant de commencer. Oh, merci. Mais j'aime les chips au petit déjeuner en général. Y aura-t-il du lait? Il a l'air de ne pas être très frais. Au moins, c'est pas des flocons d'avoine. Quelqu'un peut me donner un muffin à moi ou quoi? Je suis là, prends-le pour moi. Tiens! Ah, c'est magnifique. Merci beaucoup, mon bon monsieur. Stop! Peut-être est-il empoisonné. Je te l'ai dit, ils ont mis quelque chose dans la nourriture. Pouh! Pourquoi est-ce que c'est si dégoûtant? Oh mec, attends. Oh les gars, j'ai un bouton rouge sabonné dans le pain. Écoutez, c'est la chose la moins agréable à manger dans un petit pain. Mince, les gars, je suis affamé. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi ici, alors je crève la dalle. C'est pourquoi j'aimerais manger correctement, comme les gars là-bas. Et ils ont des petits pains frais. Le mien, un bouton rouge. Mais tu sais quoi? Vous pouvez m'aider et faire en sorte que ce bouton ait un bon goût. Vous savez comment le faire? Il suffit de descendre en dessous de la vidéo, de trouver ce bouton d'abonnement rouge juste ici, de cliquer dessus, et il devient un délicieux bouton gris. Bah vas-y, clique dessus. Allez, appuyez sur le bouton rouge tout de suite. Wow! C'est une autre chose maintenant. Merci beaucoup, téléspectateurs. Au moins, Bruno va manger maintenant. Maintenant, je vais retrouver mes forces. Bah c'est bon, maintenant vous avez bien mangé. Maintenant, on peut commencer à jouer. Chacun d'entre vous a un numéro sur sa poitrine. Alignez-vous de 1 à 15, et après, suivez-moi. Oh, j'ai 200. Ah non, au contraire, 002. Moi, j'ai 5. J'ai un 7. Safik, quelle est la tienne? Moi, j'ai 00. Et c'est quoi ce chiffre, les gars? Ça fait 6, c'est presque 007, mais pas un instant. Très bien, allez en ligne. Allons-y, alors. Bon, alors, on y va, du coup. Oh, putain. Mais Bruno, c'est quoi ce truc-là? Safik! Quoi? Viens nous voir! Mais les gars, où est-on de toute façon? Ils vont nous ruiner comme ça. Pourquoi tu cries? Peut-être que le premier qui sera... Hop, il ira direct. Ah ouais? Safik, quand est-ce qu'ils vont nous laisser partir? Eh ben, c'est le premier qui rentre à la maison qui a gagné, non? J'ai juste des choses à faire pour la soirée. T'as pas enlevé ta montre? Ben, elle est collée. C'est après une farce d'Artium. Et tu me les as recollées aussi. Ocola, tose, mena, cocola. Bienvenue au premier match. Vous avez une minute et demie pour franchir cette ligne. Il y aura derrière vous une fille debout, dos à vous, qui chantera une chanson. Dès qu'elle a fini de chanter, chacun de vous doit s'arrêter et se figer. Celui qui ne le fait pas est éliminé du jeu. Écoute, Safik, j'aimerais rentrer chez moi plus tôt. Alors, bon, pourquoi ne pas perdre au début et rentrer à la maison? Et le jeu est assez simple. Il est donc possible de gagner. Alors jouons vite. Gagnons et c'est ça. Et on rentre à la maison. Les gars, essayons de jouer. Et si ça ne marche pas, on laisse tomber et on rentre ouais, à la maison. C'est juste un jeu, quoi. Artium, s'il y a quelque chose à faire, c'est de perdre rapidement. Écoute, mon nouveau compagnon et moi avons discuté du fait que nous ne savons pas ce que c'est. Jetons d'abord un coup d'œil, puis nous verrons ce qu'il faut faire. Pas vrai, mon frère? Je pense qu'on peut y arriver tous les deux, mon pote. Mais les gars, qu'il est interdit de fusionner avant? Regardez là, il y a plein d'argent dans la boule. Doit y avoir 1 million, je pense, si ma vue ne fait pas défaut. Il y a vraiment de l'argent là-bas. Eh bien, Pacha a raison. On peut essayer de se battre. Et gagner. Et toi, t'abandonnes, toi. Eh bien, laissons les choses aller comme elles vont. Nous ferons le tri au fur et à mesure des événements, comment ils viennent, quoi. C'est vrai. Très bien, maintenant, c'est parti! Ocola, tose, mena, cocola. Le numéro 8 est sorti! Ocola, tose, mena, cocola. Je ne peux pas bouger. Et tu voulais perdre. Rapidement, maintenant, perds. Je pense que c'est mieux de ne pas perdre ici, hein. Pour être honnête, les gars,
Ça fait un moment que je me chie dans mon froc. Le numéro 11 est sorti. Il m'a poussé. Merci, Bruno. Écoute, on n'a pas le droit de perdre du tout. Les filles numéro 4 et 15 sont sorties. Les gars, je suis le dernier. Je ne sais pas si je peux le faire ou pas. Ça fait qu'on arrive. C'est Notune. Pourquoi tu m'as appelé ici? Zut, Arthur m'est toujours là-bas. Les gars, je vais être un peu en retard, c'est fou. Les gars, le gars en face de moi a une jambe. Il s'accroche à peine. Ne refaites pas ça. Regarde, regardez. 1, 2, 3, 4. Il y a 4 décrocheurs. Numéro 4, bye. C'était un mec normal, quoi, vraiment. Je pense que c'est réel et pour de vrai. Ils le mettent dans une sorte de boîte noire. Et clairement, ils vont pas le renvoyer chez lui. La boîte ressemble à un cadeau. Je veux pas être ce genre de cadeau, moi. Ok, maintenant les gars, jouons sérieusement. Jusqu'à la fin. Et même pas pour 1 million, mais pour que nous rentrions chez nous normalement et vivants. Vous savez, quand j'ai appelé ce numéro, les gars, je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Je n'avais aucune idée. Je ne pensais pas du tout qu'on va tuer des gens. Aline, écoute, tu entends? On ira jusqu'au bout ensemble, on prendra le prix, on aura chacun 100 000 et on rentrera chez nous. Je te jure, tu m'entends? Et si on n'arrive pas à vivre jusqu'à là, comme Alyosha, et pif, et c'est tout? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Quoi? Il n'y a rien d'autre à faire. On doit jouer, et puis c'est tout, quoi. Et vous, qu'en pensez-vous? Pourquoi vous parlez pas? Qu'en pensez-vous, hein? Bah, désolé pour les gens qui sont morts, mais on doit jouer, c'est tout. On attend le jeu suivant, et nous allons jusqu'au bout. Eh bien... Félicitations pour avoir gagné et réussi le premier défi. Et maintenant... passons au suivant. Allez, on y va. Il faut juste qu'on fasse une queue. Écoute, c'est quoi ce jeu qui va se commencer, là? C'est pas très clair. C'est certainement pas une sorte de lapta ou de football. C'est loin d'être du foot, Safi. Les gars, j'espère que c'est des dames. Je suis un pro en la matière. Donc, vous avez 5 minutes pour faire une figure avec le biscuit au sucre que vous avez trouvé. Vous pouvez utiliser une aiguille de votre kit pour réaliser cette figure de façon soignée. Le concurrent, dont le biscuit est cassé, est éliminé du jeu. Bon, allez, on commence un par un. Allez à la table et prenez votre bicarbonate de soude. Oh Dieu, merci, c'est le cercle. Ta-ta-ta. J'espère que j'ai trouvé le bon, hein, maintenant. Ils ont l'air trop très bons, Oh là là. Un rond, c'est super! Ça va être plus facile à découper! C'est bien, c'est cool! Bon, nous devons choisir une forme aussi simple que possible parce que... eh bien, ça serait dommage de sortir après le deuxième jeu! Triangle, les gars! Très bien, allez, Safi! Je vais prendre le plus proche et j'espère avoir de la chance, quoi. Safi, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alina! Est-ce que j'ai une étoile? Tu peux le faire! T'as une étoile parce que t'es notre étoile! Mais c'est probablement la partie la plus difficile! Les gars, j'ai déjà choisi un biscuit, mais je vous donne une chance de deviner ce que je vais prendre! Quelle forme? Triangle, cercle ou étoile? Et je vais choisir ce biscuit! Vous avez le temps de deviner ce qu'il y a là-dedans! J'y vais! Vous écrivez pendant que vous y êtes!
Mon carré est tombé. Ok, très bien. Maintenant, déplace-le. Les gars, quel genre de figure avez-vous? Je ne sais pas, je pense que j'ai une silhouette assez simple. Mais quand même, je ne l'ai jamais fait avant, donc je pourrais perdre. Bruno, j'ai un cercle. C'est le plus facile, ça, non? Pachka, donne-moi ce truc-là. Je veux essayer de la soulever parce qu'elle s'est collée. Bah ouais, c'est sucré, c'est du caramel. Hey, c'est bon, tiens, tiens, Pachka. Oh. Hey, les gars, j'ai un triangle. Et qui l'a deviné? Je l'aimerais dans les commentaires. Et au fait, les gars, c'est parlé, il est temps d'agir. Les gars, l'étoile, c'est la chose la plus difficile qui soit. Je pense que ça marche. Il veut faire un trou. Regarde, regarde, ça marche, ça marche, ça marche. Ouais, vous trouvez pas ça? Les gars, mon biscuit est en train de se casser. Il va se casser, là. Au moins, la fissure va tout au long de la couture. Voilà, les gars, vous voyez, c'est parti, c'est parti. Arthur, ça marche vraiment. Regardez ce qu'ils ont trouvé. Ils lèchent avec la langue. Il faut essayer. Tu peux juste faire ça avec les mains, on tourne comme ça. Regarde, j'ai presque terminé. C'est bon, j'ai compris, j'ai pas besoin d'aide. Oh merde, tu l'as cassé ou quoi? Il l'a tué! Il l'a tué! Bon, les gars, restez calmes, parce que si nous commençons à être nerveux, nos mains vont commencer à trembler, et alors nous allons perdre! Les gars, j'ai une moitié fêlée, mais elle tient toujours le coup, je crois. Nous devons aller jusqu'au bout, Safik! Mais pour l'instant, elle tient encore, et je pense que je peux la voir sans trop de problèmes, vraiment. Oh! Il regarde, c'est tombé! Bah, la mission est terminée? Bon, Monsieur Triangle, regarde, Monsieur Triangle, c'est pas mal, ça? C'est bon, c'est normal? Bon, ça va. Ça veut dire qu'on va pas me tirer, du coup. Bon, allez, les gars, on y va? Jonathan Prédéli, ok? Pacha est vraiment cool! Tu as vu comment il l'a fait en premier? Mec, c'est génial! Les gars, j'ai décidé que je ne vais pas rebondir. Je vais juste sortir la figurine elle-même d'ici, c'est tout. Regardez, un autre morceau est tombé. Il ne me reste plus grand-chose. Eh bien, un peu plus de la moitié. Pour l'instant, ça va, ça va. Les gars, vous devez faire super gaffe, sinon c'est chaud, quoi. J'ai tout juste le carré, la ligne, s'il vous plaît. Safik. Tiens, il vient de tuer Safik. Nous devons rentrer à la maison. Finis donc ton cube correctement. Mince, de plus, le minuteur commence de s'épuiser. Non. J'ai fini, moi! Bien joué! 2-5! Pow! Hé, Triangle, regarde ça! Bonne chance, les gars, je m'en vais! Les gars, il me reste encore une rayure à faire et je survivrai! Et toi, tu dois survivre, compris? Un autre moi! Mince! Je sais déjà ce que je dois faire, Artyom! Allez! Mec, allez! Triangle! Je regrette de ne pas avoir étudié la géométrie à l'école! J'aurais su comment les découper! Tu peux y aller. Bruno, tu peux prendre une bouchée. Mais tu l'as déjà toute léchée. Yes. Désolé, Safik. Écoute, Safik était un bon ami en général, n'est-ce pas? Allez, sors déjà. Je reviendrai bientôt. Je l'espère. Bon, il ne me reste qu'un peu de temps. Les gars, c'est en honneur de Safik. Je n'ai pas le droit de perdre. Voilà. Tu as vu ce triangle? J'en ai un comme sur ton front. Vas-y. Et Safik? Et nous emmenons Safik avec nous. Qu'est-ce que vous voulez faire? Mec, qu'est-ce qu'ils vont faire là? Regarde. Hey, où allez-vous? Safik, tu m'entends? Safik, tu as encore une miette là-bas. Mince, tu vas l'éliminer comme ça dans la grotte?
Lâchez mon ami! Zafik! Vous êtes tous des monstres! Que faites-vous tous ici de toute façon? Mince! Les gars, mais... Et c'est passé quoi avec Zafik? Vous êtes venus sans lui? Ils l'ont mis devant moi dans cette boîte noire et l'ont emmené quelque part. Oh, mais non, pas Zafik! L'un de nous pourrait être... Voilà! Alina, ne t'inquiète pas, Bruno, Pashka et moi allons sortir ensemble et nous partagerons l'argent et tout ça. Et si au final, dans ce jeu, il n'y en a qu'un qui devait survivre et puis que tous les autres, ils sont foutus et c'est capoute? Mais non, arrête! Mais tu ne devrais pas du tout penser à ça! On est de moins en moins, je sais plus quoi penser. D'abord Lioche et puis Zafik. Je sauverais pas si je perds encore un ami. Peut-être on s'enfuit, hein? Non, c'est encore eux! C'est lui qui permet de l'évasion! Personne ne l'a dit! Chut, on va discuter de ça après! Tu te moques de moi? Comme vous l'avez sûrement déjà remarqué, ce n'est pas le jeu le plus facile à jouer, n'est-ce pas? Vous êtes en sous-nombre, je vous félicite d'avoir réussi le test, mais le jeu continue. Allez, suivez-moi! Je ne te laisserai pas mourir! Alors sois avec moi! Je suis juste à côté de toi déjà! Écoute, Alina, tu crois qu'il y aura du foot dans ce Squid Game? Je suis pas sûre. Ça fait qu'aimer le football. Il avait l'habitude de me dire comment ce hat-trick, la balle en cuir, pourrait être marquée. Il aimait aussi les dames. L'essentiel était qu'il ne soit pas des dames. Mais il n'y avait pas de pions ici. Et il n'y en aura probablement pas. Alors, vous allez maintenant vous diviser en deux équipes, de deux personnes chacune. Et vous allez tirer cette corde, qui est juste là. L'équipe qui peut tirer la corde sur elle-même autant que possible gagne. Et les participants qui sont renversés ces dés sont éliminés du jeu. Divisez vos équipes, vous êtes prêts? Allez, c'est parti! On doit être ensemble! Et tu as fait de la gym, toi, hein? Je suis plus fort que toi, pourquoi tu poses des questions? Moi, je trouve un pote, toi, tranquille! Mais n'importe quoi, je suis la seule fille ici, j'ai personne! On peut les vaincre! Merci beaucoup de me prendre, je pensais que personne va prendre une fille. Je vais le faire pour les deux! T'étais mon grand, tu vas réussir, toi! Je suis plus fort que toi, je le sais parfaitement, pourquoi tu poses des questions? Bien, donc, frappe-moi dans le ventre! Ah! Je le sens, d'accord, je suis avec Alina! J'ai trouvé un remplaçant pour Zafik! Oh, salut Zafik! Ouais. Salut! 1, 2, 3, 4, 5! Et puis moi aussi j'ai un nouvel allié là, mon nouveau pote! On va tous vous battre! Pashka, pourquoi n'es-tu pas dans notre équipe? Bah regarde ça, il faut les donner à manger à tout ça! On n'a pas beaucoup d'argent et moi j'ai beaucoup d'argent! Avec mon poteau, on a des idées. Donc, hein. Tu dis que tu as abandonné toute notre équipe pour que tu puisses faire plus d'argent à des fins égoïstes, c'est juste... Je vais en dire plus. T'as laissé Artyom. Donne-lui une baffe, Alina. Voilà, ne touche pas, il est avec moi. Poche, qu'est-ce que tu fais? Tu vas jouer contre tes amis? C'est lui le premier qui est venu me voir. Mais je te dis de le lâcher. Ouais. Maintenant, on sera plus amis dans ce jeu. On va se battre jusqu'à la fin. Et on va gagner. Vous êtes sérieux ou quoi? Pour l'argent? Tu vas tuer tes... amis, hein? Depuis, ils sont en jeu. S'ils ne meurent pas, c'est nous qui allons mourir. Bon, ok, ça suffit. Les deux premiers, allez à la corde. C'est parti. Allez, mince, ils n'ont pas touché les cubes. Ah, tu l'as tué. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Je peux pas regarder ça. Alina, nous sommes les prochains. J'ai un plan, mais je t'en parlerai un peu plus tard. Et maintenant, la prochaine paire. Bruno, tactique suivante, enlève tes pantoufles. Enlève. Ils sont glissants. Range-les, puis... on tire, on donne du mou, et puis hop. Mais il faut frapper le rythme. Allez, on va essayer. Mince, Pasha, c'était ton choix. T'as compris? Alina, allez, prends la corde. T'aurais pu être avec Artyom. Allez, on va leur montrer, Pasha, tu vas voir. Ouais, vous allez voir, là, avec ou sans chaussons. Bon, c'est bon, là, c'est droit? Les abonnés, regardez bien qu'ils font pas de tricherie. Allez, c'est parti.
Hanshan ne reviendra pas. Mais il a fait son choix lui-même. C'est de sa faute. L'important, c'est qu'Artyom est resté. C'est un ami loyal. Bon, les jeux vont bientôt commencer. Nous voici à un nouveau jeu. Quelles sont les règles? Pourquoi y a-t-il des boîtes ici? Il doit y avoir des outils là-dedans. Et nous allons ouvrir des coffres forts avec ces outils. S'il y a un airbag dedans, avez-vous ce gadget dans les tendances? Mais en fait, ça me rappelle quelque chose vraiment comme avant. Non, ça ne l'est pas. Et je le vois pour la première fois. Très bien, petit cube. Allez, dis-moi les règles. Il y a 20 boîtes devant vous. Vous devez aller jusqu'au bout en choisissant l'une des deux boîtes. Ceux d'entre vous qui iront jusqu'au bout sans échouer passeront à l'étape suivante. Celui qui échoue, malheureusement, est éliminé du jeu. Maintenant, courez à la table pour choisir un numéro dans la boîte dans l'ordre où vous allez compléter le défi. C'est parti. Les gars! Alors, celui qui part en premier risque de mourir? Je vais choisir le numéro en première! Mais tu as perdu toute ta tête! Quoi, perdu la tête? C'est l'idée la plus saine, d'ailleurs. Mais elle y est allée elle-même. Elle va choisir, là. C'est ton meilleur ami avec qui tu vis. Tu ne t'en soucies pas vraiment. C'est ta colocataire. Prenons juste les cartes et tenons-nous dans l'ordre qui nous tombe. Ouais, les gars. Vas-y, vas-y, en premier, saute. C'est bien. Du coup, je suis au premier. Je suis avant-dernier. Tiens. Oh, je peux suivre cette trace et ne pas prendre de risques inutiles. Allez, allez, vas-y, vas-y. Mais t'as une vie de plus, toi, grâce à lui? Et j'en ai trois, en fait. Donc on est juste des vies en plus pour toi, alors? Non, je ne veux pas y penser. C'est fort. Ah, beau gosse, merci. On sortira tous ensemble et on partagera l'argent entre amis. Et hop. Artyom, fais attention. Tu vas tomber dans l'abîme. J'ai trouvé. Mes félicitations. Ok, je suis le suivant. Allez. On y va. Qu'est-ce que tu restes sur place, tu penses? Allez, vas-y, saute. Écoute, tu veux y retourner? Allez, c'est toi le prochain. Allez, Artyom, dans l'ordre. Je n'y vais pas le suivant, je n'y irai pas. Et Artyom, il n'y a plus beaucoup de boîtes ici. Ok, alors... il a dû sauter sur cette boîte et aurait dû sauter sur celle-là. T'en auras plus besoin de ça, mon frère. Artyom, tu as une chance sur deux. Presque aucune chance. Tu es sûr de pouvoir passer plus loin? Ok, Bruno. Rien que pour toi! Pourquoi que pour moi? Artyom! Hey, Artyom! Maintenant, je suis le premier. Il a ouvert tant de boîtes! Et sur lesquelles il a couru? À gauche, à droite, après à gauche. Ressemble-toi! Bon sang. Tiens, pourquoi tu fais ça? Donne! Je l'ai déchiré aussi. Maintenant à gauche. À gauche. Et après à gauche. Oui, je vois. Allez, rattrape-toi. J'attrape. C'est probablement comme ça maintenant. Mais après, on fait comment? Attends. Laisse-moi venir à toi. J'ai besoin d'aide. Donc... Donc tiens-moi. Que vas-tu faire, Aline? Donc tu me tiens. Je suis en train de marcher dessus. Regarde, il doit être vide là. Vraiment vide. Alors c'est l'autre? Laisse-moi me tenir sur l'autre. Je te vérifie. Allez, je te tiens. Celui-ci est un peu plat aussi. Oh non, c'est bon. Je tiens. Ne cherche pas encore, nous tenons bien. Bien là. C'est comme s'il était vivant. Il a les meilleures pantoufles qui sont restées. Il est là ou c'est là? À droite. Le droit? Oh oui, on a réussi. Oui. Allez, saute. Ah, oui, on a terminé. Nous avons passé tout le chemin. Maintenant, on peut ramasser ce ballon et rentrer à la maison? Et c'est la fin? Non. Un seul d'entre vous gagnera. C'est l'heure du dernier défi. Comment ça? L'un de nous? Aline, je peux terminer. Moi, je me rends. Non,
Tu peux pas faire ça. Ce n'est pas juste de jouer comme ça. L'un de nous va mourir de toute façon. Je préfère de mourir pour toi. Non, ne dis pas ça. On va jouer franc jeu. Celui qui meurt, meurt. Et arrête de jouer les rôles là, il ne faut pas. Promets-moi que nous jouerons honnêtement. Bien sûr que oui. Pas de tricherie. Allez, commençons déjà ce jeu. Voici le dernier défi. Maintenant, vous allez choisir une enveloppe chacun. Votre tâche consiste à retourner l'enveloppe de votre adversaire avec un pierre-papier-ciseau. Celui qui le fait gagne. On va jouer à pierre-papier-ciseau pour décider qui commence. Allez. Pierre, tu commences. Bon, ok, maintenant moi, jouons honnêtement. Honnêtement. Alors vas-y, retourne. Mince. Presque. Presque retourné. Maintenant moi. Mince. Est-il possible de les retourner? Ou allez-vous nous torturer ici jusqu'à la fin? Mince. Pourquoi ça ne marche pas? Je ne veux pas que ça marche. C'est toujours à côté pour toi. Mais toi aussi, tu étais comme ça toute la vie. Retourne-le. Retourne cette enveloppe. J'aimerais pouvoir le faire. Quel est le problème?